Ils viennent chez moi, ils retournent tout. Mais non. Ah ben c'est la perquisition, la vraie, hein, attention. Pour des affiches. Pour les affiches. Thibault Lebrac, bonjour. Bonjour. Alors je vais te présenter rapidement. Tu es connu pour avoir été condamné par la justice pour avoir collé des affiches en hommage à Thomas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu, Thibault? Donc, je suis Thibault, j'ai 27 ans. J'habite en périphérie de Lyon, je travaille en restauration, donc monsieur tout le monde, je présume. Et comment tu en es arrivé à... D'abord, on va commencer par le début, à coller des affiches pour Thomas. Comment déjà tu as vécu le meurtre de Thomas? Mal, c'était affreux. Enfin, ça a été une accumulation, surtout. Il y a eu Thomas, avant ça, il y a eu Lola, il y a eu Marin, il y a eu des tonnes et des tonnes d'agressions, de meurtres, de viols, de jeunes Français, de jeunes Françaises, par la racaille. Ça m'a toujours profondément choqué, et Thomas, pour le coup, c'était encore autre chose, parce que ce gamin, un gamin de 16 ans, en campagne, qui fait les balles, qui joue au rugby avec ses copains, qui se balade dans les forêts, les champs, enfin... C'était moi, ce gamin. J'ai vécu à la campagne pendant la plus grosse partie de ma vie, et je me suis parfaitement identifié à lui. C'était moi il y a 10 ans, ce gosse. Et donc, quand tu as appris la nouvelle, tu t'es dit « je ne peux pas rester sans rien faire ». Oui, c'était insoutenable. Enfin, c'était inenvisageable de rester assis sur mon canapé et de passer une soirée normale. Donc, je me suis dit « il faut... Je dois m'exprimer, je dois ouvrir les yeux aux gens qui refusent de voir. » Donc, j'ai pas un milliard de solutions non plus, j'ai pas de gros moyens à ma disposition. Donc je vais faire quelque chose de bête, de simple, des affiches. Et comment ça se passe? Parce que t'étais pas tout seul ce jour-là. J'ai pu, oui, c'était mon initiative, j'ai convaincu des amis de se joindre à moi, qui eux-mêmes en ont parlé à des amis, donc de fil en aiguille, on s'est retrouvés à 8. C'était quoi comme profil, les 8 qui t'accompagnaient? On a de 18 à 35 ans à peu près. Et c'est donc des étudiants, des jeunes travailleurs, des employés, enfin vraiment, là encore, monsieur et madame tout le monde, des personnes lambda, les amis, ça peut être vos voisins, vos collègues, enfin. Et là, vous vous dites, on va faire un tour dans Lyon. C'est ça. Et on va coller des affiches. Alors, ces affiches... Il y avait dessus écrit un slogan. Il y avait un message, oui, c'était Thomas, 16 ans, tué par des barbares. D'accord. Avec au milieu un dessin qui représentait Thomas avec son ballon de rugby. Le dessin qu'on connaît, qui circule sur les réseaux sociaux. Le dessin, voilà, qui a beaucoup circulé. D'accord. Donc c'était ça. Donc Thomas, 16 ans, tué par des barbares. Pour toi, ça signifie quoi, ça? C'est l'horreur qui est devenue quasiment quotidienne maintenant en France. Chaque jour apporte son lot de faits divers, ou pour une cigarette, un regard, ou même sans véritable raison, quoi. Des gens prennent des coups de couteau, des coups de poing, des coups de feu parfois. Enfin, l'ensauvagement, pour le coup, est réel. C'est rare que j'aille du côté du gouvernement, mais sur ce point-là, c'est un mot qui marche bien, je trouve. D'ailleurs, toi, en parlant du gouvernement, t'avais déjà milité avant? T'avais déjà fait des choses? J'ai exprimé mes idées un certain nombre de fois, oui. Je me suis obligé. Dès le lycée, je me suis souvent retrouvé minoritaire à défendre des positions très mal vues, pas politiquement correctes, mais... En fait, critique de l'immigration, quoi. Dans l'idée, oui. Entre autres. D'accord. Donc tu serais qualifié par l'extrême-gauche comme étant quelqu'un d'extrême-droite, en gros. Totalement. D'accord. Mais t'es connu par les antifas, là-bas, à Lyon Alors, je crois savoir qu'ils m'ont retrouvé, du coup, à la suite du fil Twitter que j'ai publié. Donc, ils m'ont retrouvé, ils ont retrouvé des vieilles photos de moi, dont une photo où j'étais un événement cet été organisé par Reconquête, ouais. Où Mario Maréchal était présente et j'avais fait une photo à côté d'elle. D'accord. Ils ont retrouvé cette photo-là. Waouh, le dossier, quoi. Ouais, ça va pas très loin, hein. C'est une photo avec une personnalité publique. Wouh. Mais toi, sinon, tu as la parole? Tu as l'occasion ici de dire ce que tu penses. Est-ce que toi, tu te sens néo-nazi ou fasciste? Ou est-ce que tu fais des soirées avec des gens et tu zigues toute la soirée? Enfin, je sais pas, qui es-tu? Eh ben, je vais sûrement décevoir certains, mais loin de tout ça. Heureusement,
rien d'aussi spécial. C'est vraiment le type normal qui va au boulot. Enfin, je travaille en restauration, la moitié de mon équipe sont des Africains, des Indiens, etc. Donc, si j'avais vraiment un souci, ça marcherait pas au boulot. Non, c'est pas le. C'est pas toi, quoi, ça. C'est pas. Ce qu'on a C'est. pu dire de toi n'est pas vrai, en Non, fait. non, non. Mais bon, ça, j'avais le. Enfin, je m'y attendais. Ouais. Et donc là, tu te retrouves avec ce groupe de 8 personnes, 9 avec toi. Non, 8 en tout, 8 en avec me toi. comptant. Et il est quelle heure? On se retrouve dans un bar vers 20h, 21h. Donc on. Parce que c'est aussi ça, la camaraderie, l'amitié. Donc on prend un verre, on explique aussi qu'est-ce qui est prévu, donc dans quel coin on a prévu d'aller, etc. Et donc, dans quel coin vous aviez prévu d'aller? On voulait faire un tour de l'Ouest lyonnais. D'accord, alors je Donc, connais pas bien Lyon, j'ai fait pas un du tout. français caché là-bas, mais l'Ouest lyonnais, c'est pourquoi choisir ce quartier-là? C'est des zones qui sont relativement épargnées, pour le coup, par l'immigration massive, par la délinquance. Donc des zones où les habitants sont pas forcément très sensibles à ce sujet. Et pour moi, c'était un peu histoire de leur mettre le nez dedans. D'accord. Donc c'était pas de la provocation d'aller dans un quartier tenu par les Antifas ou Non, non, non plus, ça aurait eu aucun sens. y avait pas cette notion de provocation. Absolument pas, non, non. Ça n'aurait pas été. L'une, ça aurait été parfaitement inutile, je pense. Enfin, les affiches, elles auraient tenu 10 minutes. Et d'autre part, ça aurait été, je pense, dangereux pour l'équipe. Parce qu'avec moi, j'avais des types qui avaient à peine la vingtaine. Des D'accord. jeunes gens qui avaient jamais rien fait et quoi, j'avais pas forcément envie. J'avais aussi deux filles qui étaient là. D'accord. L'idée, c'était vraiment pas de mettre en danger tout le monde. Donc vous choisissez un quartier tranquille. Donc on choisit voilà des zones tranquilles, mais où ce serait aussi utile de faire passer le message. D'accord. Alors, il ne faut pas se le cacher, parallèlement à cette initiative, il y avait une manifestation non autorisée qui s'est organisée en hommage à Ouais. Thomas aussi, enfin, une manifestation qui avait des revendications en lien avec Thomas. Est-ce que toi, je te pose la question tout de suite, ton initiative, sincèrement, avait un lien avec cette manifestation? Elle n'en avait pas, non, non. On s'est pas, on n'a pas participé à cette manifestation, on s'y est pas joint. On a appris qu'elle avait lieu quelques minutes avant de partir coller, donc on s'est dit, oh, bah, tant pis. D'accord. On n'avait pas l'intention d'y aller, c'était manifestation illégale, non déclarée, donc ça aurait vraiment été un coup à se faire prendre, mais connement, par la police. Parce que, on va pas se mentir, c'est l'un des éléments qui a fait que tu as vécu ce que tu as vécu. C'est Ouais. qu'on t'a lié de force, entre guillemets, à cette manifestation non autorisée. Pour info, elle était dans quel quartier, cette manifestation non autorisée? Vous étiez proche géographiquement? Non, 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 la manifestation était sur le donc à Lyon, la Presqu'île, donc le centre-ville, entre pour ceux qui connaîtront, de la place des Jacobins, je crois, jusqu'à place des Terreaux, donc là où il y a l'hôtel de ville de Lyon. Ça s'est fini là-bas. Et nous, on n'était pas là, on était de l'autre côté du fleuve, de la Saône. Dans un bar du Vieux Lyon à ce moment-là. D'accord. Et puis de toute façon, si vous aviez voulu participer à cette manifestation, bah vous auriez collé en même temps que la manifestation se déroulait. Enfin, je comprends On pas. aurait pu, oui. Je comprends pas le raisonnement des juges de dire que vous avez collé, mais pas simultanément à la manifestation. Vous auriez été concomitant. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop cherché à comprendre le raisonnement des juges à ce moment. Enfin, quand on en était au moment des juges, je cherchais surtout à me dire, alors attends, réfléchis bien à ce que tu vas répondre, sauve ta peau. Dis D'accord. pas de conneries. Et donc là, on avance. Vous étiez donc là, vous partez en voiture, c'est ça? Donc on part, voilà, on avait deux voitures Hmm. pour 8, on avait notre colle, nos pinceaux, nos affiches, et on commence à partir, donc c'est moi qui dirigeais le convoi parce que l'Ouest lyonnais, c'est la zone que je connaissais assez bien. Et donc on a fait voilà plusieurs points de collage Ok. pendant environ 2 heures. Jusqu'à ce que. Au moment du retour, on s'arrête sur un dernier point pour mettre les quelques affiches qui nous restaient. Et paf, la police arrive. Une patrouille de la municipale qui arrive. Et là? Donc bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Restez ici. On nous aligne contre le mur. Bon, pas de panique, on se dit on a juste collé des affiches. Ils vont peut-être nous demander de les enlever, ils vont vérifier nos papiers et dans le pire des cas, ils vont confisquer le matériel. Ça fait un peu chier parce que ça coûte cher les seaux, la pinceau et tout, mais
c'est pas la mort. Et donc, ils nous contrôlent, ils prennent nos identités, et ils appellent du renfort. Et ils nous expliquent, à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. On se dit, bon, pour les affiches, il faut un petit peu de zèle. Mais ok, très bien donc. Vous dites rien, vous répondez rien à ce moment-là. On résiste pas, on cherche pas à s'opposer ou à se débattre, on n'est pas. Enfin, on est des. On n'est pas des gens déjà qui avons l'habitude d'avoir affaire à la police. Donc on n'a pas de. Il n'y a pas de réelle hostilité. Et D'accord. puis voilà, on est des gens bien élevés, on n'est pas des racailles. Donc ils nous demandent un truc, on coopère, on fait en sorte que ça se passe bien. Vas-y, voilà, plus on la joue cool, plus ils vont la jouer cool avec nous. D'accord. Et donc là, il vous embarque. Et donc ils nous emmènent au commissariat du premier arrondissement. Donc là encore, on a nos contrôles d'identité. On est tous rassemblés au début dans une petite cellule, donc de transit, entre guillemets. Donc dégueulasse, enfin avec du sang, de la merde sur les murs, par terre, au sol. Donc, on est tous restés debout, on n'a pas posé une fesse sur les bancs. Et les uns après les autres, ils nous emmènent pour donc passer le coup de fil aux proches. Et là, moi, j'ai fait une erreur. Enfin, comme j'étais très optimiste en me disant, on va rester une nuit et on sera libre demain, j'appelle pas ma famille, j'appelle un de mes collègues en lui disant que je pourrais pas être avec lui le lendemain matin, que je serais sûrement à la bourre. Mais j'étais persuadé que le lendemain, 8 h, je serais dehors. D'accord. Pourquoi c'est une erreur? Parce que avec le recul, tu aurais préféré appeler ta J'aurais mère. voulu appeler ma famille tout de suite pour qu'ils se fassent pas de soucis, parce qu'après, ils m'ont dit, bah oui, on essaie de t'appeler, de t'écrire, tu répondais pas, on se demandait où tu étais passé. Et puis ils auraient pu oui, tout de suite m'envoyer un avocat en soutien, effectivement. D'accord. Et donc là, tu es mis en cellule, tout seul? Et donc voilà, après tout ça, je suis mis dans une cellule à part, moi tout seul, la numéro 7. On me donne une couverture de survie, un petit gobelet d'eau, et puis bon bah je m'allonge à ce moment-là, il est 1 h 30 du matin. Je suis claqué, je me dis le lendemain on va se lever tôt, il faudra que j'aille travailler, donc autant dormir. Oui, de toute façon, ce qu'on a de mieux à faire en garde à vue, c'est N'y avait dormir. rien d'autre à faire de toute façon. Et donc là, il te convoque quand même pour faire ta déposition? Il te demande pas. Le lendemain? C'est le lendemain, d'accord. Le Parce que des fois, lendemain, ils le font en pleine oui, nuit. Tu sais, ils te désolé. réveillent et disent, vas-y, on va faire tout de suite. Ah non, non. D'accord. Non, ils ont été sympas sur ce coup-là, ils m'ont laissé dormir. D'accord. Donc là, le lendemain, il te réveille. Enfin, le lendemain, tu te réveilles et puis tu te dis ce que. Enfin, j'imagine qu'est-ce qui se passe d'ailleurs. Bah, je me demande, oui, ce qui se passe, enfin ce qui va se passer, et puis j'ai perdu aussi la notion du temps. Ils confisquent la montre, le téléphone, il n'y a pas la moindre horloge visible dans le couloir, donc. Et comme toutes les lampes sont allumées en permanence, tu ne sais pas s'il était toujours en pleine nuit ou si c'est le matin, midi. Donc dès qu'un policier passe dans le couloir, j'interpelle, je lui dis excusez-moi, vous pouvez me dire quelle heure il est? Et j'ai fait ça en fait toute la journée. Ah ouais. Chaque fois que j'en croisais qu'il y en avait un qui passait dans le couloir. Excusez-moi, quelle heure est-il? Parce que c'est perturbant. C'est vraiment perturbant. Plus de notion du temps, toutes les lumières allumées, donc. Et là, tu te rends compte que ça dure plus longtemps que prévu. Là, oui, enfin, il était à peu près 7 h du matin, du coup, à ce Ouais. moment-là, quand je croise un premier policier, on nous apporte en cellule un gobelet de jus de pomme et deux petits beurres. Ça fait léger. Et assez rapidement, on m'emmène à ma première audition. D'accord. Donc là encore, reprise d'identité. Vous avez fait ça, ça, ça et ça hier, est-ce que vous confirmez? Et moi, je me dis, bah. Au début, je me dis. Est-ce que je garderai pas le silence? Donc je sors de cellule le matin vers 8 h et on me présente donc un avocat commis d'office qui était là et qui ne m'a pas du tout aidé. Ah oui. En fait, on avait été catégorisés tout de suite du coup comme des vilains racistes par les policiers et mon avocat était maghrébin. Ah oui, d'accord. Et donc, bon, même si l'avocat est censé être partial. Impartial, pardon. Il était pas, enfin, il était manifestement pas ravi de devoir me défendre. Et en fait, la demi-heure de rendez-vous qu'on a eu ensemble, il a passé une demi-heure à me faire la morale, à m'expliquer que non, c'était une chance d'avoir autant de diversité dans notre pays, qu'il fallait que le repli sur soi, c'était pas une solution, que c'était la pire chose, que mes idées étaient les mauvaises, que je me faisais manipuler, etc. Et donc, moi, je me disais, je veux bien vous écouter, maître, mais.
comment je me défends? Moi, je suis là, on va m'accuser de choses et d'autres. Que dire? Putain, c'est Orwell. Donc je me suis retrouvé, ouais, vraiment. Enfin, il ne me servait à rien. J'avais envie de lui faire bouffer sa serviette, le pupitre, tout. Il m'a pas beaucoup aidé. Et comment t'as fait alors? Bah du coup, à l'instinct, enfin, j'ai dû me démerder. Donc là, tu vas à ta première audition? Donc je vais à l'audition, lui il est présent, il n'a pas le droit de parler, mais l'avocat est présent. Bon, présent ou pas, voilà, ça aurait été pareil. Non, mais il est payé là, il est payé, l'avocat. Commis d'office, Ouais. donc c'est pas moi qui le paye. Oui, c'est pas toi, mais c'est Mais quelqu'un, oui, enfin le public, l'impôt. ouais, Les impôts je suis payent ravi de savoir que nos impôts servent à ça, à d'accord. faire la morale, exactement. D'accord. Première audition, ça se passe bien avec le policier, donc tu confirmes ce que tu as fait. Bon, tu as collé des affiches, quoi. Donc on me demande, voilà, Putain, c'est vous pas êtes ouf. accusé d'avoir collé ces affiches et commis des tags. Des tags? Vous aviez tagué des trucs? Non. D'accord, donc Non, tu non. contestes les tags. Il y a eu des tags qui ont été faits dans la ville, hein, mais c'était pas nous. Au D'accord. même moment, donc peut-être la manifestation interdite, peut-être d'autres gens, je sais pas. C'était pas nous. Et moi, au début, je voulais me taire. Je me suis dit, tout ça peut-être que c'est la meilleure stratégie. Après, je me rappelle qu'il y a les 7 autres avec moi, dont des très jeunes. Il me dit, bon, ça fait chier, les mecs, c'est la première fois qu'ils font un truc. Ils se font toper par la police, ils vont en gave. Je vais essayer de prendre sur moi pour pas qu'eux prennent trop cher. Donc j'assume, je dis oui, je suis à l'origine de ce collage, c'était mon idée, c'est moi le responsable de tout ça. C'est tout. D'accord, et ensuite? Et donc les auditions, donc toute la journée, 5 ou 6 fois, on me sort de cellule, puis on m'y ramène pour aller aux auditions. Donc je vois vaguement le temps défiler autour. Je profite quand je suis dans le bureau de l'officier de police judiciaire pour regarder par la fenêtre, voir un peu de soleil parce que fait du bien, on a besoin. Et oui, on me montre des comptes Instagram. On me demande de déverrouiller mon téléphone aussi. On me dit si vous refusez, c'est une infraction de plus, machin et tout. On me dit, bon, bah, ouais, vous me demandez, mais j'ai pas vraiment le choix, quoi. Et donc, ils vérifient les comptes des uns des autres pour savoir comment on est en lien. Donc, oui, bah oui, on se connaît sur les réseaux. Effectivement, on est potes, quoi. C'est normal. Mais ils trouvent rien de plus à charge. Et après. À quel moment tu te rends compte qu'en fait, ils vont te. Tu vas passer devant un juge, quoi, pour un collage d'affiches. Tu t'en as pris conscience, là, à ce moment-là, quand tu fais les auditions? Pas du tout, non, à ce moment-là. Tout au long de la journée, on nous dit oui, bon, a priori, vers 18 h, vous serez libre. Donc je garde ça en tête, je garde cet espoir en tête, je me dis, allez, je tiens le coup, je fais pas le con, je fais attention à ce que je dis, et ce soir, je suis dehors, je suis chez moi. Donc, ça a lieu. Et après avoir fait les prises d'identité biométrique, enfin tout ce qui est Ouais. empreinte, les photos sous tous les angles, le relevé d'ADN dans la bouche aussi. Ouais. On me dit, on va venir avec vous, monsieur, on va faire une perquisition de votre véhicule. Il dit, ah, pour les affiches. Bon. Perquisition, le mot est sorti, quoi. Le mot magique. Alors là. Et je me dis, bon, bah, ils vont retrouver quoi? Bah, des affiches et un peu de colle, quoi. C'est a priori rien de plus que ce qu'ils ont déjà vu hier. Et donc on retourne à ma voiture, tous ensemble, avec la police. Il fouille mon véhicule, enfin il bouge les sièges, il soulève les coussins, on fouille le coffre, la roue de secours à l'intérieur. Et dans la boîte à gants, donc absolument pas dissimulée, j'avais une petite bombe au poivre, effectivement. Wow. Et c'est là que ça part. Ah oui. C'est à partir de là que ça commence à devenir la merde dans cette histoire. Mais non. Pour une Parce que bombe au poivre. pour une bombe au poivre, parce qu'on n'est pas censé l'avoir. Ouais, c'est une arme de catégorie mon cul, ouais. Voilà, à catégorie D exactement. Donc n'importe qui peut l'acheter librement en armurerie, mais si tu t'en sers, ça se retourne contre toi en justice. Je sais, je fais de la garde à vue pour ça, moi, Ah pendant bah les voilà. gilets jaunes. Tu sais que pendant les gilets jaunes, j'étais en permanence agressé, menacé par des Black Blocs, Antifa, tout ce que tu veux. Et j'avais une bombe à poivre sur moi, quoi, le minimum syndical. Moi, j'ai fait 24 heures de garde à vue pour ça. Bah voilà, bah moi ça m'en a rajouté aussi. C'est en gros, c'est vas-y, va à poil te faire agresser comme des mecs qui veulent ta mort, quoi. C'est ça. Et à Lyon, enfin, je connais pas une seule nana qui en a pas une dans son sac à main. Oui. C'est la base. Et encore, moi, elle était pas dans ma poche au col, elle était dans la boîte à gants, donc pas non plus
portée immédiate pour l'utilisation, mais ça leur a suffi. Il fallait un truc pour nous condamner. Et donc là, il récupère la bombe au poivre et tu retournes en cellule, quoi. Et après ça, non, il y a perquisition de mon domicile. Mais non, mais c'est un truc de fou. Après la voiture. Donc là, on part à la maison. Je me dis, bon, chier. Enfin, je leur dis de toute bonne foi, les gars, vous allez rien trouver. Il y a rien chez moi. J'ai pas de drapeau nazi, j'ai pas d'exemplaire de Mein Kampf dédicacé, j'ai rien, quoi. Je suis un monsieur lambda. Vous allez trouver des Tintins et des Astérix dans mes bibliothèques. Mais donc, ils viennent chez moi, ils retournent tout. Mais non. Ah, ben c'est la perquisition, la vraie, hein, attention. Oh. Donc, ils retournent tout. Pour des affiches. Et bon, ils font la trouvaille, ils sont heureux comme tout, en trouvant mes deux fusils. Parce que j'ai le permis de chasse. Donc, j'ai des armes que je possède, enfin, que je possédais, du coup, légalement, dans le cadre du permis de chasse. Ah ouais. Pour eux, c'est jackpot. Ouais, bah c'est le profil se confirme pour eux, quoi. Ah bah, le dangereux radicalisé d'extrême droite. Ouais. Donc, on me demande bien sûr les documents. Donc, moi, je fournis tous les papiers qui vont avec. Y a pas de souci. Hein, moi, je suis en règle. J'ai rien à me reprocher là-dessus. Et d'ailleurs, ça, c'est enfin, un peu rigolo parce que quand on est retourné au commissariat après, qu'ils ont voulu vérifier sur leur logiciel à eux si les armes étaient bien déclarées ou quoi, ils me font, monsieur, y a aucune trace de vos armes sur le machin. Et moi, je me dis, petite goutte là qui commence à couler, je me dis, mais j'ai bien fait toutes les démarches et tout. Et en fait, oui, c'est leur logiciel, le machin Agrippa, ça s'appelle, qui est complètement aux fraises. Ah, bien sûr, ouais. Et je leur ai dit, moi j'ai bien fait les démarches, mais sur le SIA, le système informatique d'information sur les armes. Et ils cherchent, et ils retrouvent effectivement la trace de mes deux fusils, donc achetés, déclarés sans problème. Et je sens qu'ils sont un petit peu deg à ce moment-là. Ah oui. Un truc qu'on peut pas me mettre sur le dos, malheureusement. Mais c'est fou, là, parce que vraiment, ils enquêtent à charge, quoi. Ils cherchent... On cherche une preuve, on cherche un truc pour m'inculper. En l'occurrence, ce sera cette bombe au poivre. Ouais, ouais. Ils cherchent des poux, quoi. D'accord. Et donc, donc t'as le collage d'affiches, t'as la bombe au poivre et tes deux fusils de chasse que tu détiens légalement. Qui sont parfaitement légaux, donc au final, ce sera même pas, ça pourra même plus être retenu. Et c'est à quel moment que tu vois le juge, alors? C'est plus tard, c'est encore le lendemain, ça. Donc là, tu passes une nouvelle nuit. Donc après, ouais, voilà, après la perquisition de mon domicile, donc on est déjà dans l'après-midi, on me refait une ou deux auditions concernant ça. Et puis on me dit, vers 18, entre 18 et 19 ans, on me dit que ma garde à vue va être prolongée, que je vais repasser une nuit en cellule. Là, c'est un peu un coup dur. C'est un coup dur parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai toujours pas pu prévenir ma famille. Ça fait quasiment 24 heures que je suis prévenu. Je sais pas comment on dit. Enfin, que je suis placé en garde à vue, quoi. Ah ouais. Ma famille n'est pas au courant. Ma copine n'est pas au courant. Mes collègues, ils pensaient que j'allais revenir le matin ou à midi. Ils me voient toujours pas arriver. Je me dis, est-ce que j'ai encore mon boulot? Que pense ma famille? Est-ce qu'ils pensent que je suis dans un ravin au bord de la route? Donc c'est un coup dur. Et tu leur dis ça aux policiers? Oui, je leur dis, bah du coup... On me place en garde à vue, enfin on me remet dans ma cellule, pardon, et on a, sont affichés sur les murs de la cellule des instructions, enfin les droits. Donc moi je prends le temps de bien relire toutes les fiches et on me dit, en cas de prolongation, vous pouvez à nouveau faire appel à un avocat et appeler vos proches. Donc j'interpelle un policier qui passe et je lui dis, excusez-moi, ma garde à vue vient d'être prolongée, j'aimerais appeler un avocat et ma famille, s'il vous plaît. Et on me dit, bah oui. Pas de souci, l'officier de police judiciaire va venir vous voir. Donc il est 18-19. Il n'est jamais venu. Ah. Donc là, je passe une nuit entière vraiment compliquée. Enfin, ouais, un sommeil un peu découpé, parce que bah, j'ai toujours pas pu appeler ma famille, j'ai pas d'avocat. Et le mercredi matin, donc après la deuxième nuit, vers 6h du matin, bam bam bam, tape à la porte. Vous allez être déféré devant le procureur. Donc là, je me réveille difficilement et je suis... Quoi? Le procureur, pour ça? Et c'est... Dans ma tête, c'est la panique. J'ai jamais eu affaire à la justice, avec la police non plus, avant ça.
Et j'ai aucune idée de ce que ça signifie. Je sais pas ce qui va se passer. Je me dis, mais je suis vraiment. Là, je suis tout seul. Personne, aucun de mes proches n'est au courant de ce qui se passe. Ceux qui t'accompagnaient pendant le collage, t'as Je les pas. revois pas pendant toute la durée du. Tu sais pas où ils en sont eux non plus. J'ai aucune idée de ce qui se passe pour eux. Plusieurs fois, j'essaie de demander à des policiers, vous savez, où ils en sont, les autres et tout. Soit ils savent pas, soit ils n'ont pas le droit de me le dire. En fait, là, t'es tombé vraiment sur des policiers qui sont pas coopératifs, Il quoi. y avait un excès de zèle, enfin il y avait du zèle, en tout cas. Ah ouais. Il fallait des exemples. Il y avait eu la manifestation interdite dont tu parlais juste avant, et puis il y avait eu un certain nombre de violences, de tensions autour de la mort de Thomas. Donc il fallait des exemples. C'est ce qu'un des officiers nous avait dit dès qu'on est arrivé au commissariat le lundi soir. Il m'a D'accord. dit, voilà, la justice veut des exemples. Donc c'est tombé sur nous. Donc là, tu vois le procureur, Et donc finalement? voilà, le mercredi matin, alors, au moment où on me sort de ma cellule pour le transfert vers le tribunal, et je dis à un des policiers, écoutez, moi j'ai toujours pas pu prévenir ma famille, mon avocat, est-ce que vous pourriez quand même passer un message? Et là, un des policiers accepte d'appeler de ma part mon papa. Donc je lui donne le numéro, il appelle mon père pour lui expliquer vite fait. Et là, très réactive la famille, donc j'arrive au tribunal vers 10h, vers 10h du matin. Et je rencontre, oui, bonjour monsieur Lebrac, c'est votre père qui m'envoie, je suis avocat. Et là, je suis là, ouais, ça fait plaisir. C'est le premier visage souriant que je vois en 2 jours. D'accord. Mais s'il n'y avait pas eu ce policier un peu plus sympa que les autres, je me serais retrouvé tout seul avec un commis d'office un peu nul, sans même que ma famille soit au courant. Donc c'était un peu aberrant. Ce truc de fou. Ouais, vice de procédure, on va dire. Et donc là, t'es devant le... T'as le temps déjà de Ouais. t'entretenir avec ton avocat? Oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc au tribunal, où c'est un. En fait, on se retrouve, moi, puis d'autres types qui devaient passer. Il y a un long couloir où d'un côté vous avez comme des petites cellules mais avec des bureaux et les vitres en plexiglas, donc pour les entretiens avec les avocats, avec les procs. Et l'autre côté, c'est les couloirs, c'est avec des vraies cellules, donc pour nous faire patienter entre deux entretiens. Donc moi, je peux m'entretenir avec mon avocat. Donc il se présente, je me présente, il relit mon dossier, et il me fait, oui, non mais là, incitation à la haine. Ça tient pas, il n'y a rien. Et ça me rassure un peu quand il me dit ça, parce que c'est vraiment le truc. Avoir ça sur mon casier, ça aurait vraiment été nul. Donc après, on reparle donc du principal problème, la bombe au poivre. Et là, effectivement, bah oui, je possède cette bombe, j'avais acheté légalement en armurerie il y a des années, c'est même possible qu'elle marche plus à ce moment-là. Mais j'ai. Enfin, je lui explique, moi j'avais surtout un petit groupe dont j'avais la responsabilité, j'avais des jeunes, j'avais des filles. Plusieurs fois pendant le collage, on avait des types qui étaient passés au ralenti à côté de nous en nous regardant pas spécialement de façon sympathique. J'ai dit, moi, avoir au minimum cette bombe, c'était une manière de rassurer tout le monde aussi. Donc on a des entretiens avec l'avocat. Et ensuite on va tous les deux donc devant la procureure. Dans un autre bureau, donc qui. Et la procureure n'évoque même pas le fait d'incitation à la haine. Elle a le dossier, hein, il y a tout devant elle, mais elle n'en parle même pas, donc ça veut vraiment dire que c'était pas très sérieux. Et puis on voit qu'elle a pas envie d'être là en fait. Ah oui? On voit que, ouais, pour elle, c'est. Bon, il a collé des affiches, quoi, c'est. Mettez-lui une tape sur les doigts et on n'en parle plus. Elle voulait. Enfin, je pense, à mon avis, qu'elle voulait vraiment s'occuper de plus gros poissons. Donc des organisateurs de manifs ou quoi, et qu'elle est tombée sur quelques malheureux colleurs d'affiches. Rien de bien méchant, les perquisitions n'ont rien donné, les interrogatoires n'ont rien donné, les fouilles des téléphones n'ont rien donné, bah oui. Désolé, je ne suis pas le méchant que vous rêviez. Donc, premier entretien avec la procureure, ensuite, on repart avec mon avocat, on en rediscute, puis je retourne en cellule pour patienter. On sort, on fait un deuxième entretien où la procureure du coup nous propose une peine.
Donc elle propose 200 euros d'amende pour le collage des affiches et 60 jours d'amende à 10 euros, donc 600 euros au total pour la bombe. Transport d'armes non autorisées, catégorie D. Donc ouais, ça fait une somme. Et moi, d'un côté, je suis un peu soulagé parce que le matin même, je me voyais prendre du ferme. Ah ouais. Je me suis dit, ouais, ils vont me coller de l'incitation à la haine, du transport d'armes et tout. Ils veulent des exemples. À tous les coups, je vais prendre 6 mois. Là, on me sort une amende, je me fais bon. Ça va. Mais Ça attends, fait chier, mais ça va. mais des jours amende pour une bombe au poivre, c'est quand même de la folie, hein. Ouais. Là, pour le coup, c'est sévère en vrai. Tout. Enfin, comme je te dis, toutes les nanas que je connais en ont une dans leur sac. Plein de gens en ont dans leur voiture, dans leur maison ou quoi, mais. Bah, il leur fallait un truc. Il fallait bien un truc pour me descendre. Donc la proc propose cette peine. On en discute avec mon avocat en privé. Moi j'ai dit, écoutez, moi, ça me va, je suis soulagé, c'est beaucoup moins déjà que ce que j'imaginais. Il me fait, je vais renégocier encore un peu. Et effectivement, mon avocat arrive à renégocier à la baisse. Donc je m'en sors un petit peu mieux. Au final, ça s'établit à combien? Donc au final, je me retrouve à 150 euros pour le collage d'affiches. Et à 60 jours amende à 7 euros, donc ça fait 420 au total, pour le transport de la bombe. Donc 570. Au total, tu as payé 570 euros d'amende quoi, pour ce Ouais. que tu as fait. Et 127 euros de frais de justice. Ah oui, Donc d'accord. je suis à 700 balles. 700 balles pour avoir collé des affiches en hommage à Thomas assassiné. Assassiné à Crépol. La France en 2023. Oh là là. Et donc là tu peux sortir immédiatement là une fois que là. Non, il y a une dernière épreuve, sans doute la pire. Mais non. Si, si, si. Je t'ai parlé de mon avocat commis d'office que j'avais pu voir le mardi matin, qui m'a pas du tout aidé, qui a fait la morale, enfin qui m'a pourri comme un petit écolier. Il y a la juge maintenant. Parce qu'une fois que la procureure a prononcé une peine et qu'on l'a acceptée avec l'avocat, il faut que ce soit homologué par la juge. Et moi, bah, comme je disais, je connais rien à la justice. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Et je me retrouve du coup dans la cage en verre, avec deux policiers derrière moi. Mais non! Si, si. Mais non! Et Oh! Mais alors là, je voudrais que ceux qui regardent cette grande vidéo se salle rendent bien d'audience. compte de quoi on parle, quoi. Ouais, la grande salle d'audience avec la juge, son air sévère, la robe noire. Pour un collage d'affiches! Ah, pour un collage, Mais c'est ouais. quoi, monsieur quelle France? De quelle France on parle là? On est où? Compliqué, hein. Oh. À la France où t'es pas censé revendiquer quoi que ce soit. Et on rappelle quand même que pendant ce temps-là, pendant que toi, t'es dans ta cage en verre avec deux policiers derrière toi comme dans les films, les racailles à Crépol vendent du shit et de la drogue H24. Aujourd'hui même, là, en ce moment, ils sont en train de le faire dans le quartier de la Monnaie, quoi. Et ils Ouais. sont pas inquiétés jamais. Et c'est le cas dans beaucoup, énormément de cités de France. Moi, je suis révolté. Ni là-bas, ni à Vaux-en-Velin, à la Guillotière, ni à Gare du Nord, partout. Ils lancent même, quand ils atteignent un certain chiffre d'affaires, à Grenoble c'est le cas, ils lancent même des feux d'artifice quand ils font 1 million, il me semble, ou 100 000 de chiffre d'affaires, ils lancent un feu d'artifice. Ils font même des drives, ils font des drives. Des drives de drogue? Thibaut, ils font des drives. Ils ont des fenêtres comme ça, tu passes en voiture ou en scooter, boum, ils ouvrent, ils te donnent ta drogue. Il y a même des affiches avec le prix du shit. Enfin, c'est une dinguerie. Et toi, t'es dans ta cage en verre avec deux policiers derrière toi parce que t'as collé des affiches. Putain, mais là, je te jure, c'est un truc de fou, quoi. Je suis désolé. Bah ouais, pas le profil du mec qui va résister, je suis Non pas le mais type c'est... qui va avoir 50 personnes qui vont débarquer derrière pour demander la libération, donc. Non mais franchement ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. C'est C'est trop démentez-moi. révoltant. Même moi qui suis C'est un... Même moi qui ferais pas de mal à une mouche, ça me révolte. Je me dis mais attends, faut faire quelque chose. dégueulasse, hein. Enfin, même mon père, une fois que j'ai pu être libre et que j'ai revu mes parents, je pensais que j'allais prendre une branlée par mon père, il m'a fait, mais putain. Ils t'ont traité comme si t'étais Mesrine. J'ai collé du papier. J'ai pas tué de gens, j'ai pas vendu de drogue. J'ai pas foutu le feu à des immeubles, j'ai collé du papier. Ça peut pas tenir, ça peut pas tenir, C'est. Thibaut. Ça tiendra pas comme ça, c'est pas possible. C'est trop injuste en fait. C'est trop injuste. Ouais. Il peut pas y avoir de paix dans une situation aussi injuste.
Mais donc toi, tu es dans ta cage en verre avec deux policiers derrière toi, Je suis d'accord, dans ma très bien. cage, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Il y a la juge, la greffière à côté. Il y a mon avocat dans un coin. Et à côté, il y a l'avocate d'un autre gars, enfin de l'autre conducteur, donc qui est avec nous, que j'ai pu revoir le matin même durant notre transfert au tribunal. On a été, du coup, tous les deux sortis de la cellule, menottés main dans le dos, et mis dans le petit camion, enfin dans le panier à salade, donc dans des espèces de placards d'un mètre sur un mètre à l'intérieur, donc on est debout pendant le transfert. Donc on a pu échanger pendant environ 10 minutes, et après on s'est pas revu de la journée. Et son avocate est là pour suivre mon jugement. Et donc la juge confirme mon identité et reprend les chefs d'inculpation. Donc l'incitation à la haine, elle veut revenir un peu dessus, même si la procureure l'avait complètement zappé avant. Et moi je lui fais, mais écoutez, parce que, ah oui, moi je me dis, je vais d'abord regarder mon avocat qui me fasse un signe de tête à chaque fois. Elle fait, non, regardez-moi, c'est à moi que vous parlez. À quoi ça me sert d'avoir un avocat si je peux même pas lui demander Ah ben oui. de l'aide à ce moment-là? Ouais, la juge, totalement à charge, totalement partiale dans cette affaire. Ça dure environ 1 heure. Une heure. Ouais, c'est long, hein. Une heure. C'est long. Un procès Et d'une heure. On parle d'un procès d'une heure pour un collage d'affiches. juste pour confirmer une peine, parce que concrètement, les faits avaient été établis et tout était clôturé une fois que la procureure a dit, ok, vous serez condamné à ça. Et Et là, toute cette mascarade payée avec nos impôts? la mascarade, et en fait, elle a un but, la mascarade, parce que, enfin, je te raconterai après, mais l'autre conducteur, il s'en est moins bien sorti que moi. Mais ouais, pendant 1 heure, donc elle me ressort les images de l'affiche, puis elle me sort des morceaux de texte, des tweets qui ont été publiés à droite à gauche, mais pas par moi. Et des écrits, enfin ouais, sur différents réseaux. Elle me sort des photos des tags aussi, dont je parlais, ceux qu'on n'a pas fait. Elle me ressort beaucoup de choses en me disant, et ça, vous reconnaissez, ça c'est vous, bah non, enfin moi j'ai reconnu un collage d'affiches, madame, c'est tout. Elle essaye. Enfin, c'est. Ouais, c'est. On essaie vraiment de me faire craquer pour que j'avoue d'autres choses. Et à ce moment-là, moi, ça fait 2 nuits que j'ai mal dormi à cause du stress, du froid, de la fatigue, de l'inquiétude. Deux jours que j'ai pas pu donner de nouvelles à mes proches, enfin, quasiment. Donc, c'est. Nerveusement, c'est très très dur. C'est très dur de résister à la juge. Ouais, c'est. C'est très compliqué, mais j'arrive à. Enfin, la seule réaction aussi qui me semble intelligente à ce moment-là, c'est OK de faire l'écolier. L'écolier qui se fait gronder par les maîtresses. Donc voilà, tu baisses un peu la tête, tu dis rien, tu fais oui madame, désolé madame. J'ai les mains derrière moi, je serre les poings très très fort pour pas m'énerver. Et mon avocat me dit qu'effectivement, il me dira après que j'ai eu la bonne réaction là-dessus. Mais c'était compliqué. Et l'autre conducteur, lui, qui a été jugé juste après moi, il a pas pu tenir le coup. En fait, il a essayé de défendre son point de vue et d'argumenter face à la juge pour lui expliquer le pourquoi du comment. Sauf que la juge, toute son idée était déjà faite sur l'histoire. On aurait beau lui avoir donné les arguments les plus raisonnés, les mieux construits, elle s'en foutait. Elle avait une idée très fixe sur ce que c'était et elle n'allait pas en démordre. En fait, c'est un jugement idéologique. Elle Totalement. jugeait votre idéologie, là. Ah, totalement. À ce moment-là, De oui, son point de c'était. vue qui est elle-même, son point de vue qui lui-même est idéologique. Et encore, elle jugeait notre idéologie en procès d'intention. Bien Parce sûr. que vraiment, enfin, c'était des sympathies supposées qu'elle dénonçait. Donc elle a un positionnement idéologique, la juge, quoi. De Clairement. son point de vue, on était une bande de Waffen-SS, enfin, à tendre le bras et à faire des conneries Donc elle ne toutes juge les pas semaines, les alors faits, que. quoi, elle juge pas les faits. On juge, là, c'était vraiment un jugement de la personne. Et du procès d'intention, de ce que vous avez derrière la tête, C'est. du non-dit, elle veut. Exactement, on essaie de te faire avouer, oui, est-ce que vous êtes un nazi, concrètement? En fait, elle veut savoir ce que vous pensez au plus profond de vous-même, et c'est ça qu'elle va juger, qu'elle va chercher C'est pour ça qu'elle juger, essaie de quoi. creuser, exactement. Ah ouais. Ah ouais, on est sur autre chose là. Hein. Donc c'est. Enfin, ça m'a. C'était la dernière ligne droite, donc je me suis dit, il faut vraiment pas que je fasse le con à ce moment-là, faut pas que je craque. Tiens ta langue, tais-toi.
Reste ferme sur tes positions, mais fais pas de provocation. Et ça va, je m'en suis plutôt bien sorti, mais. Mais Enfin, donc, j'aurais bien voulu lui dire ta gueule, quoi. Plusieurs fois. Et oui, ça se fait pas. bah ça se fait pas après coup, si ça se peut se faire, hein, ça peut se faire. Oui, après coup, si un jour je la recroise dans la rue, on en discutera, mais. Et donc, Poliment, bien sûr. mais et donc ton collègue, ton ami, lui par contre, il craque. Lui, bah, enfin, il est convaincu de pouvoir raisonner. Il croit avoir affaire à un jugement basé sur la raison. Exactement, il pense qu'on fait face à une personne neutre. Et c'était clairement pas le cas. Elle était pas neutre. Elle était pas neutre et elle avait le pouvoir dans cette situation. Donc elle l'a écrasé. Donc lui, à la base, son avocat avait réussi à négocier encore mieux que le mien. Enfin, lui, il devait avoir juste une amende avec sursis. Donc concrètement, rien à payer. Juste se tenir tranquille, rien à payer. Il s'en serait très très bien sorti, mais la juge a réussi à le pousser, à le faire sortir de ses gonds. Et ben, du coup, il est toujours en procédure, maintenant. Son procès est reporté pour février. Donc concrètement, il dit quoi à la juge? T'as suivi un peu? T'as assisté à son procès? Non, 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 je pouvais pas y être. Il Ça n'était pas au mien et j'étais pas au sien. a duré combien de temps, son procès à lui? Alors, je saurais C'était pas te dire. peut-être plus long que toi, Je non, je crois sais que pas. non, je crois que c'était plus court, justement. Ah ouais? Et donc il s'est énervé, il avait les signes de Il, l'énervement? non, il m'a dit qu'il n'était pas énervé, qu'il a juste essayé de défendre son point de vue, d'expliquer pourquoi il avait fait ça. Il a essayé de se défendre en Et fait. qu'il trouvait, oui, qu'il trouvait Ok, toute cette histoire particulièrement injuste par rapport à ce qui se passe au quotidien en France. donc il a juste essayé de se défendre dans un tribunal français. Il a voulu, voilà. Se défendre. Exactement. Il a voulu se défendre en tant qu'accusé. Ce qu'on est censé pouvoir Et faire. en fait, on l'accuse d'avoir voulu se défendre maintenant. Ça lui a porté préjudice. Il ne faut pas se défendre Non. face à un juge. Ok, Non, donc là on est vraiment dans le... Là, excuse-moi, j'utilise le mot, mais c'est inquisitorial. c'est un mot juste? Oui, c'est le bon mot, effectivement. Moi, j'ai eu la bonne réaction, à savoir, tu te tais, tu fais profil bas, t'écoutes et tu acquiesces. Et lui a voulu se défendre et là, ça marchait pas. Ça C'est marchait pas avec lui. inquisitorial, quoi. Tu dois abjurer ce que tu penses et dire que la Terre est au centre de l'univers, quoi. C'est ça, c'est exactement. Il faut que tu rentres dans le narratif. Putain, ce truc de fou. On est dans la merde, hein. Enfin, c'était un peu l'objectif de la juge. C'était soit vous rentrez dans l'idée que je me fais de vous, à savoir vous êtes un vilain méchant d'extrême droite qui mange des enfants au petit déjeuner, soit c'est vous qui rentrez dans le droit chemin. Donc bon, je me suis tué. C'est un procès politique. Sans. C'est Voilà. oui, c'est un procès politique. Elle a une idéologie politique, elle a un point de vue politique, et il faut que tu te conformes à son point de vue, que tu fasses amende honorable, que tu abjures ce que tu penses. Tu n'as pas le droit de te défendre, et si tu as le malheur de te défendre, et ben tu prends cher, quoi. Tu tombes. C'est un procès politique, c'est un procès stalinien, quoi. Il y avait un peu de ça. Mais moi, quand je te parle, là, je m'en fous, en fait, là, je dis ce que je pense. Mais je mesure à quel point on est dans la merde, quoi. Là, ça a été un show pour moi. Alors, sur le coup, je voulais juste que ça se termine. J'avais qu'une envie, c'était de sortir, de revoir mes proches. Et avec le recul, les jours qui passaient, puis en ayant pu ensuite rediscuter avec les autres qui étaient sortis un peu avant, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui vient de nous arriver? Qu'est-ce qui vient de se passer? On a vraiment passé, vous 24 heures et nous 48, en cellule, interrogés sur tout et n'importe quoi, avec nos maisons, nos voitures fouillées, pour des affiches, pour des bouts de papier qui seront partis au bout de 3 jours. C'était aberrant. En hommage à un Français tué. En hommage à un jeune gars de nos campagnes assassiné par une racaille. Vraiment le fait divers qui est malheureusement beaucoup trop courant, et si t'as le malheur de vouloir dénoncer ça, paf, c'est toi qui prends. Et là, quand on en reparle, je réalise encore plus à quel point c'est absurde. J'ai pas les mots. C'est compliqué de trouver les mots justes pour décrire ça, mais c'est. Ouais, c'est absurde. Donc là,
Moi, je suis un type de 27 ans normal, jamais rien fait de méchant dans ma vie, allez, peut-être un excès de vitesse, c'est tout. Là, je me retrouve avec un casier judiciaire, donc ça veut dire que professionnellement, je vais être bloqué pour certains trucs, parce que j'ai collé des affiches. Pour Thomas. Pour Thomas. Et puis l'autre conducteur, j'ai un jeune papa, là, dans la trentaine, qui est en pleine reconversion professionnelle, donc qui, pour l'instant, il galère un peu. Mais avec plein de projets d'avenir, avec sa famille, avec son futur boulot, et là qui est à nouveau en procès, qui va y rester pour on ne sait pas combien de temps. Pareil pour des affiches. Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, aux gens qui nous regardent? Que il faut pas oublier nos morts. Des Thomas, malheureusement, il y en a toutes les semaines. Il faut pas qu'on les oublie, il faut qu'on leur rende hommage d'une façon ou d'une autre, que ce soit les marches blanches, que ce soit les rassemblements, même s'ils sont interdits par les préfectures, parce qu'en ce moment j'ai vu que tous les rassemblements dans toutes les villes se faisaient systématiquement interdire. Allez-y, collez des affiches, Ah oui. mais soyez mieux préparés. Faut savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas, en garde à vue, savoir ce qu'on doit dire ou pas dire. Et bien faire respecter ses droits en garde à vue. Moi, mes droits n'ont pas été respectés. J'ai demandé à voir ma famille, enfin à voir un avocat et à appeler ma famille. J'ai pas eu droit. Le seul truc qui fait que j'ai pu avoir un avocat et que ma famille soit au courant, c'est qu'un policier a accepté d'enfreindre la procédure pour les appeler. Toi, Thibault, est-ce que tu as espoir? Pour l'avenir? Oui. Je suis d'un naturel optimiste. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ces histoires, enfin les meurtres, les meurtres gratuits de jeunes Français par la racaille, choquent les gens et indignent les gens. Et là, notre histoire, où pour un simple collage, on a pris de la garde à vue et des amendes, ça a été pas mal vu aussi. Ça a été vu par beaucoup de gens. Ça a choqué. Quand j'ai écrit sur Twitter ce qui nous était arrivé, j'ai eu énormément de messages de soutien. Vraiment des milliers de messages de courage, de soutien, de félicitations aussi pour ce qu'on avait fait. Donc j'ai espoir, j'ai bon espoir quand même. Mais ça va être. Pour rétablir un semblant d'ordre et de justice, ça va être un chemin terrible. Ça va être très long. Ça va être long et ce sera pas sans perte. Thibaut, merci beaucoup. Merci à toi. Courage à toi pour la suite. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur. À toi et d'ailleurs aux 8. Et aux autres, ouais, surtout. Pensez à eux, à celui qui est encore en procédure aussi. Et on pense évidemment à la famille de Thomas également, qui doit regarder tout ça Surtout. absolument ébahi, effaré, de voir où nous en sommes. Thank you.